La suite d'une résidence qui s'est passée au centre de l'association Serpon sur Païta. Et ça fait partie des programmations de Femmes Croisées. Femmes Croisées est un projet qui est porté par Ticia. Et chaque année, elle met à l'honneur des femmes, femmes artistes, femmes peintres. Et cette année, on a fait partie de ce projet à travers l'expo que vous avez ici. Donc, qui s'est d'abord tenue au Mont d'Or et aujourd'hui, ce soir ici. Ça, c'est le totem. Donc, ici, voilà, il y a le gecko, le tétroyer, il y a le soleil. Donc, chacun a son totem. Et aussi, voilà, la tortue, elle représente la femme. Le poisson, c'est l'homme. Et le poisson aussi, il n'est pas là, je ne vois plus. Voilà. Que c'est la chance. Alors là, c'est une flèche qui est un peu la flèche du Nord, qu'on reconnaît par toutes les peignes et l'histoire de Jean-Marie aussi, qui a été à refuter toutes ces pointes de l'architecture du centre culturel de Tibaou, qui est l'histoire aussi de Yangen, qui est la flèche de Yangen, et puis l'homme debout. Voilà, l'homme debout, en fait, c'est une flèche avec le corps d'un homme debout, c'est pour être un homme debout, en fait, c'est de voir comme là j'ai fait un sort de tableau qui est avec marouflé de tissu. C'est-à-dire là j'essaie de donner la couleur rouge avec voilà en fait c'est le ventre de maman. Voilà, la femme, autour de la femme fait toujours l'homme. Lui, c'est un peu l'hommage que je rends aux premiers Indonésiens qui se sont installés sur Yangen, parce que ça fait partie d'une série de thèmes que j'ai travaillé sur la commune de Yangen. Et j'ai appelé ce tableau Café Yangen, parce qu'à Yangen, il y a beaucoup d'Indonésiens, de Javanais, et puis ils font pratiquement partie de l'endroit, de la maison. Alors si on regarde bien, il y a une goutte de café avec un motif qu'on retrouve beaucoup sur les paréos. Indonésien, et derrière on a des grandes cases, des silhouettes de grandes cases. Voilà, c'était un peu pour rendre hommage à cette partie de la population. Voilà, ça c'est la wild dance, on est femmes, toujours sur la racine du bagnon. Et ici c'est sur toile, c'est la danse de la vie. Il y a la femme qui danse, et puis une femme de chaque ici, c'est la danse de la vie. La peinture, c'est notre lecture, c'est une écriture, c'est une mémoire visuelle qui va rester dans le temps. Et c'est important de montrer aussi que les artistes ont un grand travail qui est important, qui est notre façon de faire sa politique aussi, parce que c'est notre façon de les revendiquer, puisqu'on revendique un peu notre histoire à travers une image comme celle d'aujourd'hui. C'est un peu le peuple de la Mélanésie, les femmes en évasion, les femmes avec leur force et leur culture, leur montrer leur transmission à travers la peinture. On a essayé de balayer le plus grand nombre d'ethnies qui forment la Calédonie et retravailler les choses à notre façon, c'est-à-dire utiliser le tapawalisien, utiliser le pandanus, utiliser le coquillage, mélanger avec de la matière, avec des formes traditionnelles ou européanisées, mais voilà, essayer de jouer sur toutes les cultures et les mettre en moderne. Toutes ces pièces-là, c'est un gros travail collectif.
toutes ces personnes, plus les personnes de passage, ceux qui sont venus nous rendre visite dans l'atelier, toutes ces personnes, elles ont participé à la chose. Et je tiens à citer Mémé Marie.ri, qui est venue tresser les ceintures wallisiennes, les ceintures en pandanus qu'on a utilisées sur des tenues wallisiennes et futuniennes, la dentelle qui a servi pour la robe mélanésienne. Voilà, c'est un travail de partage. On a essayé de métisser au maximum toutes les tenues qui y seront exposées. Voilà. Parce qu'on est arrivé à un point où on parle de plein de choses. On parle de plein de choses et on oublie presque qu'on est tous métissés.